Bonjour tout le monde. Je vous présente la moufle bébé 0,3 mois. Rien d'exceptionnel, rien de compliqué. Nous avons ici des côtes 1-1. Ici, les petits trous pour passer le ruban. Un petit motif de décoration. Et on termine par du point de riz. Donc là, je l'ai fait en rose, ça peut être aussi bien en bleu pour un petit garçon. C'est aussi bien pour fille que pour garçon. Donc c'est une taille 0,3 mois. Donc je vais vous expliquer tout ce qui est à faire pas à pas. Pour cela, donc comme je disais, une moufle bébé 0,3 mois. Je l'ai tricotée en aiguille 3,5. J'ai utilisé de la laine, donc moi c'est un restant de laine que j'avais. Donc ça sera de la laine 3-4. Et j'ai monté 32 mailles, dont j'ai commencé à tricoter en côte 1-1. Et il me faudra 8 rangs. Donc les côtes 1-1, pour celles qui ont oublié ou pour celles qui débutent, c'est. Donc moi du coup. Mon premier rang, je l'ai tricoté, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et par la suite, ça sera une maille glissée que je ne tricote pas, ça sera ma maille lisière. Donc, ma première maille, je ne la tricote jamais. Donc voilà. Ici, hop, vous voyez, j'ai un petit bâton, donc ça sera une maille à l'envers. Ici, j'ai le V. C'est une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Endroit et je termine par une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Moi, je suis avancée, hein. J'ai fait 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et il en faut 8. Une fois que j'ai tourné mon travail, donc je fais glisser ma maille. Ici, j'ai le petit bâton, donc ça veut dire une maille à l'envers. J'ai levé ici une maille à l'endroit. Petit bâton envers, levé endroit, envers, 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 endroit, envers. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, et je termine par une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Vous voyez, ça fait des côtes 1-1. Moi, je suis au sixième rang. Et vous continuez. Alors, n'oubliez pas que quand c'est levé, c'est des mailles à l'endroit. Et quand il y a le petit bâton ici, ça veut dire une maille à l'envers. Et on se retrouve une fois que vous avez tricoté 8 rangs
de côte 1-1. À tout de suite. Une fois qu'on a fait nos 8 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième étara de l'aiguille. Nous allons commencer à faire. Donc, j'ai laissé de la laine hein, au démarrage. Je ne vous ai pas prévenu, mais ça sera pour la couture. Hop. Pour le rang des trous. Hop. Je vous explique avant de commencer. Donc, les trous pour le ruban. On va faire donc, une maille lisière, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Hop. Première étape, donc le premier rang des trous. Donc une maille lisière. On a dit deux mailles ici, ensemble, à l'endroit. Hop. Un jeté. Donc le jeté, mon fil est là derrière. Je le passe entre les deux aiguilles, je le passe sur mon aiguille et ça me fait un jeté. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Je vois pas ce que je fais. Et je fais un jeté. Je passe mon fil entre les aiguilles, par-dessus mon aiguille ici, ça me fait un jeté. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, je passe par-dessus mon aiguille, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Donc, tout le rang se tricote à l'endroit. Un jeté, deux mailles ensemble 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 à l'endroit. Un jeté et une maille à l'endroit. Je tourne mon travail et je tricote tout à l'envers. Alors normalement, vous avez toujours 32 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32. Et là, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Ma première maille, c'est une maille lisière. Donc je ne la tricote pas et je tricote toutes les mailles. Donc là, c'est le jeté. Je passe dedans et je la tricote à l'envers. J'ai pas dit à l'endroit, à l'envers. Je passe mon aiguille hop, et je la tricote à l'envers. Donc tout le rang se tricote à l'envers. Faites bien attention avec les jetés qui ne passent pas par-dessus vos mailles. Vous allez avoir faire des croisés et les prendre dans le bon ordre.
on tourne notre travail et on voit, on a les petits trous pour le ruban. Maintenant, on va passer au motif. Donc, ce petit motif ici. D'accord ? Premier rang, une maille lisière, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, puis quatre mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, quatre mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, et on continue et on va finir par trois mailles. Donc ça veut dire qu'on a commencé ici avec une maille lisière et deux mailles ensemble, ça nous fait trois mailles, donc on finit par trois mailles à l'endroit. Donc une maille lisière, deux mailles en droit, une, deux, un jeté, deux mailles ensemble, pardon, un jeté. On tricote quatre mailles, une à l'endroit, deux, trois, quatre, deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, un jeté, on recommence, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 4 mailles, 1, 2, 3, 4 à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et on finit par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On tourne notre travail et le rang numéro 2, on tricote tout à l'envers. Donc ma maille lisière. Et je tricote tous les rangs à l'envers. Toutes les mailles à l'envers, enfin tout le rang à l'envers. On a fait le rang numéro 2 du motif. Tourne notre travail. Le rang numéro 2, hein, tout à l'envers. Le rang numéro 3, une maille lisière, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles endroit, et on continue ainsi de suite. Donc on a dit une maille lisière, une maille à l'endroit, d'accord, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, donc deux mailles à l'endroit, une, deux, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, une, deux, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté,
deux mailles à l'endroit, une, deux, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on finit par deux mailles à l'endroit, une et deux. Tourne notre travail, donc le rang numéro 4, tout à l'envers comme tout à l'heure. Donc on tricote le rang tout à l'envers, toutes les mailles sont à tricoter à l'envers. Si vous suivez bien toutes les explications, vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire la moufle, même pour les débutantes. Hein. Si vous suivez bien toutes les explications pas à pas, logiquement, vous devriez réussir à la faire. Donc le rang numéro 4. Ok, on va faire le dernier rang à jouer. Là, on est au rang numéro 5. Une maille lisière, deux mailles endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, quatre mailles. En fait, on refait le rang numéro 1. Donc une maille lisière, deux mailles à l'endroit, une et deux, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et quatre mailles à l'endroit, une, deux, trois et quatre, deux mailles ensemble à l'endroit et un jeté, quatre mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 2, 3 et 4. Deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et il nous reste bien les trois mailles comme tout à l'heure. Donc 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Hop. Et on va faire le rang tout à l'envers. Et ça sera le dernier rang. Donc, maille lisière, la première. Donc, moi, je la tricote pas. Hein. Vous pouvez la tricoter si vous voulez, mais ça sera un rang tout à l'envers. Hop. Et voilà,
on a terminé le motif. Vous voyez ce que ça donne. Donc ici, on a les trous-trous pour le ruban. Et ici, le motif qu'on vient de tricoter ensemble avec les 6 ronds. Une fois qu'on a fait les... Donc là, on a fait le rang à l'envers, donc le 6e rang. Maintenant, on va attaquer le point de riz. Il va falloir faire 20 rangs. Donc le point de riz, c'est quoi? Donc c'est comme les côtes 1-1, le démarrage est le même. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc premier rang. Donc moi toujours une maille lisière, je la fais couler. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 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 À l'endroit, une maille à l'envers. À l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et une maille à l'endroit. Désolée. Je tourne mon travail. Je tire un peu de fil. Et le deuxième rang. Là, on a fait le premier rang du point de riz. Donc, jusque-là, tout va bien. Et maintenant, donc, on va faire la même chose, mais on contredit, on va contrarier en fait les mailles pour que ça nous fasse du point de riz et pas des côtes 1-1. Donc, ma première maille, je la fais glisser. Ici, j'ai un V. Donc, ça veut dire que c'est une maille que je vais tricoter à l'envers. Ici, j'ai le petit bâton, donc ça veut dire que je la tricote à l'endroit. Ici, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers, 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 à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers. Je tourne mon travail et vous voyez, on a commencé le point de riz. Donc là, on a fait 2 rangs. On continue. Hop. Je fais glisser. J'ai le petit bâton, donc je fais une maille à l'endroit. J'ai levé une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Endroit, envers, endroit, envers,
envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, puis à l'endroit. Donc là, on a fait 3 rangs, on tourne notre travail. La maille lisière. Ici, c'est un V, donc c'est une maille à l'envers. Ici, c'est un bâton, donc c'est une maille à l'endroit. En fait, c'est l'opposé de ce qu'on fait avec les côtes. C'est le même point, sauf que on contredit la maille. On la contrarie pour obtenir le point de riz. Bon, je ne vais pas tricoter les 20 rangs avec vous. J'aurais fait 4 rangs avec vous pour bien vous expliquer comment faire le point de riz pour celles qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas du tout le point. J'espère que vous aurez compris comment le faire. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, on a fait 4 rangs. Donc, on continue. En tout, il en faut 20. Donc là, j'en ai déjà fait 4. Et une fois que vous avez fait les 16 autres rangs, donc en total 20 rangs point riz, on se retrouve. Une fois qu'on a fini nos 16 rangs, de point de riz, voilà ce que ça donne. Donc hop, j'ai coupé du fil, mon fil, je vais faire un nœud pour arrêter mon tricot. Hop. Voilà. Un nœud d'arrêt. Et à partir de là, je fais glisser les mailles sur mon aiguille. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Alors, je l'ai fait en doublon le fil pour que ça soit beaucoup plus résistant. Comme ça. Bon, je suis sûre que ça va être du solide. Je le mets à l'envers. Donc, vous voyez, ça c'est l'envers. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai du soleil. Du coup, avec de l'ombre. Hop. Ah, en fait, pas terrible, hein, de mettre là. Ah. Donc, je tourne mon travail à l'envers et je fais un nœud. Hop. Je serre fort.
et je fais plusieurs nœuds pour être sûr d'avoir tout l'arrêt, que ça bouge pas. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, mon ciseau, bien entendu, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas où je l'ai posé. Tant pis. Hop. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, hop, je récupère mon aiguille. Je tourne mon travail, je le mets donc sur l'endroit. Le fil que j'avais laissé au démarrage, hop, je le passe dans l'aiguille pour faire la couture. Hop. Je vois pas grand chose de ce que je fais. Et là, j'ai changé d'endroit, de position pour faire mes vidéos, mais mon bureau est un peu plus haut. Du coup, je vois pas forcément mieux. Ah, bon, décidément. J'ai réussi enfin à passer mon fil. La vue baisse. Hop. Donc là, je suis sur l'endroit de mon travail. Donc là, au démarrage, je prends bien bout à bout. Et comme j'ai la maille lisière ici, du coup, je passe dans un vide, je passe dans l'autre. Et ma maille lisière qui est là, pareil. Et ça va me faire une couture invisible et propre. Et je vais faire ça jusque en haut de mon gant, en fait, tout simplement. Alors, n'oubliez pas de tirer pour serrer. Voilà. Hop. Donc je tire bien, bien serré. Voilà, une fois que c'est fait, hop, moi je passe dans le petit trou et je viens faire un nœud. Faites attention de ne pas trop tirer non plus sur le fil. Hop.
J'ai un peu trop tiré du coup. Voilà. Et je viens terminer en faisant un nœud en haut. Et voilà, hop, je sais toujours pas où j'ai fini mon ciseau, et je coupe. C'est pas fait pour, hop, rien. Et là, il n'y a plus qu'à passer le ruban comme ici. Je l'ai pas préparé, donc je le ferai après. Et voilà ce que ça donne. Petit motif, les petits trous pour le ruban. Voilà, voilà. Donc une petite paire de moufles pour bébé. Très simple à faire, rien de compliqué. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire le bonnet qui va aller de soi avec. Donc c'est pareil, ça sera soit pour... vous pouvez le faire pour un petit garçon comme pour une petite fille. Suivant la couleur de la laine que vous prenez, ça peut faire le mix. Faire tout blanc, des couleurs bien, bien précises. Donc voilà, voilà. Je vous dis à bientôt, donc ça sera le prochain tuto, ça sera pour le bonnet dans le même style. Au revoir.